Annie Grivel, qui est docteur en neurosciences, et moi, Yves François, psychologue, nous avons créé Access Lab, qui est une agence qui est spécialisée dans les sciences du comportement en général et dans les stratégies de changement de comportement en particulier. On se base sur les données scientifiques publiées en neurosciences ou en psychologie sociale et on les applique dans des situations concrètes que nos clients nous proposent. Alors, on est passionné de psychologie, enfin, c'est notre bagage de départ, notre formation de base. Et Jérémy est plutôt axé recherche, moi je suis plutôt axé psychothérapie, donc changement en cabinet. Et puis quand on s'est rencontrés, on s'est dit qu'il y avait énormément de choses très intéressantes qui étaient issues des publications scientifiques et qui pourraient être utilisées dans des situations concrètes. Donc on a décidé ensemble de créer cette agence en 2008 et depuis on fait ça à temps plein. Notre public cible, c'est plus un seul individu, c'est des masses, des collectifs. Ça peut être les habitants d'une ville, ça peut être les visiteurs d'une forêt, d'un musée, d'un bâtiment, d'un lieu, d'une gare. Ça peut être les employés d'une entreprise, ça peut être les clients d'une entreprise. Enfin, c'est toujours un collectif, une masse, un grand nombre. C'est des changements de comportement qui concernent une foule. Influer sur la foule dans son ensemble, c'est avoir exercé une somme d'influences qui vont faciliter le passage au comportement désiré. Non, on ne fait pas les typologies des individus, on ne les regroupe pas par catégorie. On essaye vraiment d'avoir une action qui va s'adresser à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on a un résultat sur tout le monde, mais ça veut dire qu'il y aura un résultat sur l'ensemble du collectif. Alors on a beaucoup de projets dans le développement durable, l'écologie, les changements liés aux évolutions des conditions de vie, de la planète, de la situation. Donc ça peut être un canton qui nous demande comment on peut modifier le comportement des usagers dans des sites naturels. Ça peut être une société de transport public qui aimerait modifier le comportement des usagers pour en faveur de plus de flexibilité, plus d'adaptabilité. Ça peut être une entreprise qui aimerait, par exemple, que les employés se comportent de manière plus écologique ou plus prosociale ou plus collaborative. Donc les domaines d'application, ils sont extrêmement vastes parce que des changements de comportement, ils peuvent être attendus dans plein de domaines. Par contre, nous, on pourrait avoir quelques restrictions. C'est-à-dire que si on nous demandait spécifiquement de travailler pour un produit que nous, on estime pas tout à fait éthique ou correct ou toxique pour la santé, ben ça, on se laisse la possibilité de refuser. Mais sinon, comme je vous le dis, l'essentiel, c'est des demandes dans des comportements en lien avec l'écologie, des nouveaux comportements en lien avec la possibilité que l'humain s'adapte à des nouvelles situations. On ne vise pas à modifier le caractère ou la personnalité des gens. L'être humain, il est extrêmement adaptable en fonction des situations. Il modifie d'ailleurs tout au long d'une journée, il modifie plein de fois son comportement parce qu'il réagit à des situations. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de mettre en scène des situations qui vont permettre de favoriser certains comportements et de diminuer la probabilité pour certains autres. L'essentiel des comportements qu'on adopte, ils sont issus d'une interaction entre un environnement, une atmosphère, un environnement émotionnel et de temps en temps une réflexion. Mais la plupart du temps, le comportement, il n'est pas tellement rationnel. On le rationalise après. Le comportement, il est adaptatif. Il tient compte d'une humeur, d'un climat, d'une émotion, d'une atmosphère, d'une envie soudaine liée à des facteurs souvent extérieurs, très souvent extérieurs. Alors la plupart des mécanismes qui ont été identifiés, les mécanismes psychologiques qui sont en jeu dans les comportements, les changements de comportement ou les prises de décision, c'est des mécanismes qui sont relativement universels. Ils touchent l'essentiel, les 99% des humains. Donc on peut se fier à ces mécanismes qui sont collectifs. Il arrive cependant que certains individus réagissent d'une manière particulière parce qu'ils ont une histoire spécifique en lien avec la situation ou en lien avec un historique ou en lien avec des choses qui sont stockées dans leur mémoire.
Mais de manière générale, l'individu a tendance à se fier à ces mécanismes psychologiques de comportement, de prise de décision, et c'est ceux-là qu'on utilise. Donc, des individus qui sont dans une forêt, même si c'est peut-être pas exactement les mêmes que ceux qui sont dans une gare, ils vont quand même recourir à ces mécanismes psychologiques qui sont universels. Ça peut être des choses aussi simples que ça, mais le passage pour piéton, il correspond à un certain nombre de codes. Il a quand même fallu, à un certain moment, apprendre des choses, et ensuite, les comportements, ils se développent autour de cet environnement. Ce qui est très intéressant, par exemple, pour les passages pour piétons, c'est que si on dit qu'il faut attendre que le feu passe au vert et qu'on laisse le feu plus longtemps au rouge, eh bien, s'il y a une personne qui décide d'enfreindre la loi et de traverser, ça ne va pas suffire pour déclencher un mouvement de foule. Deuxième, les gens vont commencer à hésiter. Dès la troisième personne, la probabilité est très grande que la plupart des gens qui attendent décident d'enfreindre la loi. Et ça, c'est des mécanismes qui sont très très utiles et très puissants, qui ont probablement sauvé l'espèce humaine, c'est de comprendre que s'il y a une masse de gens qui se comportent d'une certaine manière, même si ça nous paraît inexpliqué, incompréhensible, on a plutôt tendance à se comporter comme eux, parce que faire comme les autres, ça nous sauve, ça nous aide. Si on ne fait pas comme les autres, on a plein de signaux dans notre cerveau qui s'allument en disant « tu peux faire autrement, mais tu prends un risque ». Les deux étapes qu'on fait presque automatiquement, c'est d'observer le lieu, l'environnement, où, dans quel lieu ça se passe, que ce soit dans des bureaux, que ce soit dans une ville, dans des rues, dans un environnement naturel. Le contexte est très important. Donc on fait un diagnostic environnemental de ce qui existe dans l'environnement qui va favoriser plus ou moins des comportements. Et puis la deuxième chose, c'est l'analyse des comportements des gens. Qu'est-ce que les gens font au temps zéro dans ce lieu? Puis c'est sur cette base-là qu'on cherche des mécanismes psychologiques qui ont été mis en évidence par les données scientifiques et qui vont influencer vers des changements de comportement. Donc ça peut être modifier l'environnement. La modification de l'environnement, c'est un des facteurs très simples de modifier des comportements, mais ça peut aussi être initier des mouvements de foule. Dans les modes, par exemple, on a pu mettre en évidence que quand on atteint à peu près 3, 4, 5% de la population qui a commencé une nouvelle pratique, il y a une probabilité élevée que ça devienne une épidémie, que ça se répartisse. Donc il faut travailler très très fort au début pour avoir un petit nombre une petite communauté qui fait ça, et ensuite il faut que ce nouveau comportement il soit visible. Puis après on peut laisser faire. Si on pense à la modification de l'environnement, bah, parfois simplement ajouter une odeur. Si on ajoute une odeur de lavande dans un restaurant, les gens vont rester plus longtemps. Si on ajoute une odeur de basilic dans un lieu, ça va diminuer le taux de stress. Si on ajoute une odeur de citron, les gens vont se comporter de manière plus propre. Puis là, il y a toute une série de données publiées, fiables, qui montrent à quel point l'environnement, ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on entend, a une influence sur les comportements. Donc, les modifications de l'environnement peuvent être faciles. Elles ne nécessitent pas forcément des affiches, de la communication. Elles nécessitent un soin particulier pour fabriquer des environnements propices. Je pense que la seule différence, c'est l'objectif final. C'est-à-dire que si j'utilise des stratégies pour que les gens soient beaucoup plus heureux, qu'ils s'aiment les uns les autres et qu'ils arrêtent la guerre, personne ne va me taxer de manipulateur. Si j'utilise exactement les mêmes stratégies pour que les gens achètent mon produit vis-à-vis de la concurrence, là, on va me taxer de manipulateur. Mais les stratégies utilisées, elles seront les mêmes. Notre travail, c'est d'utiliser les mécanismes de base du fonctionnement cérébral et puis de les mettre au service d'une bonne cause. Mais effectivement, vous pourriez me traiter de manipulateur même si je travaille pour que la planète soit mieux préservée. On observe que certaines entreprises, certaines agences de communication les utilisent, d'autres décident de ne pas les utiliser ou d'autres ne savent pas comment les utiliser. Et puis,
Il continue de produire des tentatives qui souvent ne débouchent sur aucun changement en particulier. Et ça, c'est peut-être un des éléments intéressants, c'est que l'essentiel de ce qui a été tenté jusqu'à maintenant en matière de changement de comportement, ça s'adresse au fonctionnement rationnel de l'individu. Alors que l'individu ne fonctionne pas du tout de manière rationnelle. On croit tous qu'on fonctionne de manière rationnelle, mais on fonctionne de manière émotionnelle, environnementale, beaucoup plus que rationnelle. Donc, depuis longtemps, on s'est cassé la figure sur les essais de modification du comportement avec très très peu de succès. On pense d'ailleurs à tout ce qui est domaine de la prévention, prévention dans le domaine de la santé, etc. On a un succès qui est très 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 modeste, voire des fois une contre-productivité. Mais simplement parce que ce ne sont pas les mécanismes psychologiques de base du fonctionnement de l'individu qui ont été utilisés. Par exemple, on avait travaillé avec l'aéroport de Genève qui essayait d'augmenter le covoiturage auprès des 6 ou 7 000 employés qui travaillent dans l'aéroport, répartis dans 300 sociétés différentes, donc des horaires différents, des managements différents. Et puis là, on s'était rendu compte, par exemple, que le covoiturage, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais très très peu de monde le fait. Et de mettre en place une stratégie de covoiturage, si de toute façon personne ne s'inscrit, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on a fait, c'était d'attendre les gens à l'entrée des parkings, quand ils viennent en voiture, seuls, et de leur demander s'ils trouvent que le covoiturage est une bonne idée. 99% des gens disent oui, c'est une bonne idée. Et puis de dire, bah, il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on mette un signe distinctif sur votre voiture pour montrer que tout le monde pense comme vous? Et puis on a collé un ballon de baudruche sur le toit de la voiture. Et alors quand les gens rentraient dans le parking, ils voyaient que le parking était couvert de gens qui pensent comme eux. Et puis quand ils sortaient de leur voiture, on leur disait que l'aéroport était prêt à organiser des possibilités de covoiturage. Et comme ils avaient déjà dit oui au fait qu'ils trouvaient que le covoiturage était une bonne idée et oui au fait qu'ils étaient d'accord qu'on leur colle un ballon de baudruche sur la voiture, eh bien, ils donnaient leur nom pour être inscrits, sollicités et participer aux prochaines réunions. Et avec cette stratégie, on a pu multiplier par 10 le nombre de personnes qui s'inscrivaient pour faire du covoiturage. L'étape suivante, ce serait ensuite comment le comportement s'enclenche. Et là, pareil, ce sera d'abord un tout petit nombre de personnes, mais un collectif quand même, qui va suffire pour enclencher un mouvement qui va devenir ensuite une épidémie.